Malheureusement, on a commencé la conférence de presse avec un inspecteur divisionnaire, Telfort Ferré, jeune garçon, 46 ans, qui fait partie de la 7e promotion PNH, côté que il a perdu la ville au Cap-Haïtien, dans la localité qui est Petit Anse, Cafou, La Chaux. Inspecteur divisionnaire ça a été affecté dans le commissariat au Cap. C'est le même tout qui était responsable BI, brigade d'intervention dans le commissariat. Inspecteur divisionnaire a été à bord véhiculé. Côté que bandit attaqué plusieurs balles. Côté que, après constat, juge 6 projectiles dans des côtés vitaux dans le col. Nous avons couru l'hôpital avec lui, mais malheureusement, arrivé à l'hôpital là, inspecteur divisionnaire Telfort Ferré perdu la ville. Pour le moment, il y a une enquête qui ouvrit au niveau de SDPJ qui dans le département Nord. Il y a un service d'investigation commissariat au Caplan qui a mené premièrement enquête et DCPJ touché par ça. Et il y a une enquête qui ouvre au niveau de la DCPJ. Nous déjà en marche, machine déjà en marche pour que nous soyons capables de prendre la première considération à savoir tout ce qui vient de joindre nous. Et à travers le réseau, nous voyons que il y a une voice qui a circulé, qui a assemblé voix inspecteur. Côté que il n'y a pas analysé pour que nous soyons capables de servir avec lui et l'autre information qui vient de nous tout pour que nous soyons capables de faire toute considération sérieuse pour capable conduire nous à la vraie vérité. C'est certain, dans le jour qui vient, nous sommes au courant. Nous avons parlé de l'opération 400 Marozoa. Nous avons rappelé depuis environ 2 ans. Le groupe 400 Marozoa. Gon l'autre groupe tout qui basé nan rami you nan raquette you habitué descendre sous grand axe là de quoi des bouquets à tuot côté que yo font pile victime. N'a pas rappelé le 10 janvier 2019 yo assassiné une jeune fille qui est chez la Jean-Claude. Le 27 mars 2017 yo attaqué personnel ambassade Chili. Côté que lors de l'attaque ça gagné chauffeur ambassade là ambassadeur qui te prend balle qui mourit. Le 22 octobre 2019 près de 15 bandits violé un personnage qui est probablement âgé de 70 à 80 ans. Dans la nuit du 9 mars au 10 mars 2020 il a assassiné 3 moun dans les Lavoie 39. Le 3 août 2020, zone marché papal. Yo tiré sous un bus, côté que gagné plusieurs moun qui blessé, dont yon petit bébé qui était tué par balle. Monsieur Sayo, yo spécialisé yo dans vol véhicule, contre-rançon, détournement de marchandises, enlèvement. Et objectif opération que la police menait hier. Très tard, très tôt dans la matinée. Objectif là, c'est pour te démanteler Gangza et procéder à l'arrestation bandits. Plusieurs unités, dont le commissariat de Croix-des-Bouquets, t'es mobilisé dans l'opération ça. Nous arrivés, entrés dans la base, monsieur. Et selon les policiers qui étaient dans le théâtre opération, yo ouais en pile zoussement dans ce cercueil dans une sorte de péristyle. Gagné 15 arrestations qui faites que nous connaissons déjà. Pour le moment, il y a screené la police judiciaire a cuisiné pour que nous connaissions le degré d'implication chaque grain de monde dans 15 moun sa qui interpellé. 4 véhicules que nous parlons, hein, c'est des véhicules qui ont été volés que nous récupérons. Nabdi, la police déterminée
pour que nous capables faire face d'abord à responsabilité nous à mission nous qui c'est garantir le public et la sécurité publique également pour que nous démanteler tout réseau gang qui depuis des mois des années a bail problème et empêcher population paisiblement vaquer librement d'activité et au commandement le commandant chef de la police nationale a félicité tout policier ça qui était dans l'opération hein, qui était déterminé qui était courageux pour que il était capable de faire travail gagné dans réseau 400 marozois il y a trois chefs gang qui entendent yo nous connaissons déjà l'amour son jour non c'est Joseph Wilson gagné Ronald ainsi connu et Azouken ainsi connu n'a partagé avec population encore une fois photo et à vidéo recherche que la direction centrale de la police judiciaire mettait pour que tout le monde qui est capable, ouais, côté M. Saoui, localisé, pas hésiter, mettez la police au courant. Wilson Joseph, l'amour son jour. Infraction reprochée, assassinat, tentative d'assassinat, enlèvement, viol, vol de véhicule, détournement de camions de marchandises. Alors, petite précision, dans la vidéo recherche, c'est vol de véhicule de préférence, c'est pas viol. Alors, nous avons deux photos sous deux angles. Ça, nous croyons qu'il est assez visible et plusieurs monde capables rapidement d'identifier. Ça, c'est une autre encore photo, l'homme sans jour. Avec deuxième angle. Parce que dans le mode opératoire, généralement, on change de style. On doit être on doit avoir les cheveux des noirs et puis yo mettre l'autre couleur pour capable tromper moun mais sous deux angles ça yo n'a demandé à moun k'ap gade là pour vraiment pour attention pour capable aider nous identifier côté yo moun sa yo pour la police capable arriver épingler yo et conduire devant la justice gay Ronald ainsi connu. Et troisième nom, c'est Azouken, ainsi connu. Merci. S'il y a deux ou trois questions. Selon l'état-major de la police, c'est une case d'opération, ça se forme aussi possible. Ce radio. Puis gros bail que nous souhaitons, c'est pas nous qui pour dire ici, c'est population qui pour sentir le travail que nous avons fait. Et nous avons un signal, et nous tendons à travers la presse, à travers les réseaux, nous avons goûté pour que chaque opération que nous menons, pour que nous capables, sans capables, sans nous faire affaire, pour que nous sommes capables de permettre que ces populations puissent réussir. Parce que dès que la population réussit, la société et nous-mêmes la police, nous croyons tout que nous réussissons. On dit discipline, oui. On dit discipline. Tout à fait. Merci. Ce sont très bonnes questions. Qui permettent moi, parce que je me dédie dans plusieurs radios. Effectivement, au niveau commissariat Pétionville, gagné trois plaques qui perdues. C'est trois plaques de véhicules de police. Numéro plaque là, on a demandé tout le monde pour attention, population 1-00-848. Plaque police. Deuxième nom, c'est 1-00-921. Plaque police. Et troisième nom, 1-01-938.
parole, est-ce qu'on peut continuer pour nous, une nouvelle qui t'a fait quoi sur le réseau social, surtout que DCPJ t'a arrêté bien Cabotier, que l'information qui fait qu'on a été subi, il était victime de sa kidnapping, est-ce qu'on peut continuer? Ou capable de moins, Bianca Gauthier, qui était dit qu'il était kidnappé dernièrement, bien nouvelle qui a circulé sur les réseaux sociaux, il a fait connaître que DCPJ a arrêté lui, parce que c'est lui-même qui est complice de sa kidnapping. Est-ce qu'il est capable de prendre? Malheureusement, pas en mesure pour me prendre pour le moment. Mais comme on est en salle là, on est en espace DCPJ, sans problème, on tire un moment et puis il m'a pas en mesure pour me confirmer. Il a fait une regarde de DCPJ. Opération ça a déroulé, pas d'échange de tir, et puis 15 personnes ça nous arrêté. Donc, nous ne pouvons pas jouer dans le donc est-ce qu'on peut confirmer pour nous? Et puis, est-ce qu'on, à part de ça, est-ce qu'on peut jouer votre matériel et dans la base, base 400 Marozo, parce qu'il y a avec rumeur qui t'a fait quoi jouer l'argent? Merci. Et nous ne pouvons pas jouer et c'est une opération qui était en sorte de combat, parce que tu as gagné échange de tir. Entre force de l'audio et bandits. Et nous tous connaissons, et à travers le réseau, nous voyons et puissance de feu en termes de âmes. Et nous-mêmes, nous sommes pratiquement dans la vie nous, pour que nous sommes capables de permettre que la population soit libérée de l'ensemble de gangs. À savoir, d'autres matériels, mon courant, simplement, c'est quatre véhicules qui étaient volés, qui récupérés. Et nous pas de saisir ZAM ni fois ça ni dans l'opération Village de Dieu qui était faite semaine dernière ou bien avant. Et depuis pile l'année, nous connaissons ces ZAM n'a pas saisi ni dans sa main ni l'autre côté. Et nous pas jamais entendu une enquête qui aboutit pour nous dire mais qui est-ce qui était organisé trafic ZAM ça sous pays. Est-ce que nous avons information sur ça? Bien, chaque année nous arrêtons des moules, mais ZAM, yo, donc nous pas, c'est seulement sur les réseaux sociaux. Nous, ouais. Parfait. Bon procédure qui est tracée, l'aide que vous faites saisir. Ou bien faire découverte des amis, et il y a toute une structure qui est passée pour arriver justement à enquête. On croit que nous parlons de ça dans la conférence, côté que il y a des amis qui nous joignent, et puis nous dit et pour qui est-ce que vous êtes. Et c'est certain dans la dernière découverte, et probablement n'a pas fait toute considération en termes d'enquête pour que nous soyons capables de dire, au moins opportun, mais dans quel niveau que nous y est dans le dossier ça. À savoir, si nous saisissons les armes par l'opération. Et il y a des armes que nous avons saisi, parce que nous avons saisi les armes que la police a fait depuis un peu l'année. Ouais. Nous ne pouvons pas même arrêter un monde pour trafic d'armes dans le pays. Alors que nous connaissons les armes qui pas faites dans le pays. Tout à fait, tout à fait. Et j'en nous dis, hein, il y a des gens, nous ne connaissons pas trop longtemps, il y a des conférences qui ont été faites, côté que les gens ont été joints, que les armes pour eux, et nous connaissons ici à la DCPJ. Et ils ont été présentés. Et j'en dis là, et comme c'est plusieurs saisies qui faites, et bon procédure, et en toute transparence, pas de rien qui au niveau de la police que nous pourrions cacher ou bien ça a gagné telle attention, ça a gagné telle attention. Dès que la police arrive dans le moment pour qu'il fasse là, la fait. Ma parole. Et nous, oui, je vais demander les 400 Marozo, est-ce qu'on a quitté l'espace là? Est-ce que la police a prêté en dedans pour combien de temps? Et deuxièmement, une vidéo qui a circulé qui dit que les jeunes ont valise l'argent en dedans, est-ce que vous avez confirmé ça? Par mesure confirmer l'informel, moi-même moi tout au niveau vidéo tout et moi en contact avec responsable et au plus haut niveau, je pas relater ça et mais par contre m'a capable toujours et partager ça avec eux et si c'est à ça en toute transparence en toute vérité n'a dit et à savoir est-ce que nous fin craser bazar, est-ce que n'a levé ou bien est-ce que n'a prétendre pour combien de temps n'a plus les nous garder géographiquement Jean Bazaillé. Et c'est pratiquement sinon rager et négro étant sous vraiment des centièmes, même des hectares de terre. Et la demande en logistique, la demande en commodité pour que la police t'arrête là-dedans. Mais par contre, nous avons des yeux sur eux. Mais votre parole, comment nous parlons du travail de la sécurité? Parce que nous connaissons dit, la police crase parce qu'on va prendre un bloc 20, nous-mêmes nous parlons de la police dans le pays. Comment nous-mêmes nous parlons de ça? La police a une permission de garantir l'ordre public, la sécurité publique, et n'a fait pareil.